45 minutes, 50 maxi, qui porte sur le devoir de s'asseoir. C'est une richesse des équipes Notre-Dame. Je parle sous le contrôle de l'abbé Damas Colli, curé de la cathédrale, qui accompagne une équipe Notre-Dame au niveau de sa paroisse. Qu'est-ce que c'est que les équipes Notre-Dame? C'est des ensembles de couples qui se réunissent une fois par mois pour partager leur vie de famille, leur vie de couple. Et c'est international. Au Sénégal, ça existe il y a plus de 20 ans. Dans notre région sud, c'est peut-être une nouveauté. Dans la vie de ces équipes Notre-Dame, il y a une sorte de charte, entre autres, le devoir de s'asseoir, qui est la communication du couple. Tout à l'heure, c'était la communication en famille, avec les différentes faciès possibles de famille. Là, c'est la communication en couple. C'est de cela que nous allons parler maintenant. Ci waxtanu jitu sédo nañu naka lañu mëna lënkelo diiso ci digante njobot ci bir njobot ak njobotu xéet njobot yi ñu wax ñaarël waxtan wi ñu ngi koy jëmele ci waxtan digante jëkër ak jabar ci négu sey diiso gi yalla sentu liñuy wax dañ ko tibb ci équipe Notre-Dame di kurelu njobot yi di dajé ben yoon ci wër ndax mëna sédol li di sen dundu njobot sen dundu négu sey nakhar banne ak lepp lamu ëmb ci dundu kertien équipe yoy amna ben buñ ñu sant fi cathédrale Saint-Antoine de Padoue té abbé Damas Colli di curé moko yoré kon ku bëgg xam lan mo équipe Notre-Dame gën ko djégé ci bir sartu équipe Notre-Dame amna lenn lu ñen sas mudi devoir de s'asseoir manal war garu tok négu sey ben yoon ci wër bi lolu moy suñu waxtaan gi mujjé ci goudi gi donc ala ba ala ba wonane kemi ko ko kapté nakou pendant 5 kilos lal wayono mi fulakon fata anine dia sec di famille oli nané na la rek mo di tate fujuma fati labé damas ami akiro wata cathédrale o ami di cariben man aramben ci famille salut poet sambi di fugu defan ko regé mi Notre-Dame équipe Notre-Dame. Donc, dit que ça qu'elle n'a qu'un homme, ça qu'elle dit ok. Pendant une seule, vous, comique, que j'ai mis bête cani, dit tout à l'heure, à Nine, dit à sec, dit familia. Donc, il y en a mal mis que ça qu'elle n'a l'aîné, pour le mahoul, vous te vous. Anamulu jamal fan wi solal kanaku libulon bata anine lianale kote ku baj bu bahum min ku has bu ko mu kolon eno donc ci soumena su solil fan se baj bu nebenum la la no mo tatema li vous êtes nous bien avec kata à la bédamas à mon fofre kator kouke quand on est mou équipe Notre-Dame y'a pas du mou Notre-Dame un des cathédrales mata la hasse wa on mou oubahoum li elouf merci à Béatanas barame et bonne soirée de Jotelli Nuyo ak Yémenyan y joguet abbé Serge Ortiz warana teo ñu am sen courriel feulé popungine directeur des œuvres programme bi changé motax jotul ñew tay woté na pour néw ngek ñun ci ñaan té diñu gungé ci ay yéné di fatali laacté ñu laacté won sank
té mané lañu am tontom ci waxtaan bi ba jitu mu don li la bête nas don wax né le silence est un danger manam nopi giñu war giñu nop ci négu sey té nga wara wax mën na indi musiba nañu sét ci waxtaan bi lam wax li ci mëna jëlé niki lér ñu waxon tamit merkati né problème négu sey lu paré ci biti lay joggé la plupart des soucis dans la vie du couple vient de l'extérieur mais avec le devoir de s'asseoir nous allons voir et les pistes de solution ñu néwon tamit lék ci négu sey mu dem bo mu dal mu tarkis ba nga haddi nga mer nga guet quand c'est difficile quand on n'a plus le bonheur qu'on voulait dans le mariage et que ce n'est que le malheur ben division ou séparation de corps ou toutes les formes possibles avec le devoir de s'asseoir les remettre pour ne pas arriver là et après à la fin si vous n'êtes pas très satisfait on reprendra les questions les racines du devoir de s'asseoir sont bibliques c'est dans la Bible allez-y voir dans Saint Luc chapitre 14 versets 28 à 33 que nous dit le Seigneur lequel de vous s'il veut bâtir une tour ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé les fondements il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever Luc 14 28 33 le fondement biblique du devoir de s'asseoir. Nous pouvons retrouver aussi Genèse, chapitre 2, versets 22 et 24. À méditer à la maison, en couple, ça peut nous aider et ça va nous aider. Parce que la parole de Dieu, c'est le fondement de notre agir chrétien. La parole de Dieu, c'est le fondement de notre foi chrétienne. Alors, ça peut nous aider. Térébi, qui est l'oukoum salami bindelene, lat nga tambali tabax la nga tok nga xalat ndax la nga am so tambali tabax di nga meuna jekali am deet soko meunul nga setat sa bop wadiat Genèse tamit dina wo ci lolu di so ci negu sey yalla moko beug yalla moko sante nit du jeuker moko sante jabaram wal jabar sante ko jeuker ci yalla ci bopam moko beug s'asseoir et réfléchir permet de ne pas bâtir sa vie à la va-vite. Quand on dit sa vie ici, c'est la vie du couple. Baña yakamti sobu nga tok xalat geussu ndax meuna sorti am du sorti su dund du yo kessé ñoo ci négu sey su dund modi jëkër jabar baña yakamti ngén tok xalat ainsi s'asseoir réfléchir pour de façon durable bâtir notre vie de foyer sur le roc comme le dit Saint Matthieu au chapitre 7 bâtir sur le roc tabax suñu négu sey ci xéru deuguer modi Jésus Christ ci yow lay jëfam duñ ko tabax ci alal duñ ko tabax ci tar duñ ko tabal ci bëgg bëgg duñ ko tabax ci nafika di dugg ci ay pexé ndax nit ki bëgg la ñak pexé C'est vraiment bâtir sur le roc qu'est Jésus-Christ, s'engager dans la vie du mariage et non pas sur des apparences. La beauté, ben, un jour ou l'autre, on vieillit. La force, un jour ou l'autre, ben, tout passe. La richesse, pareil. Il y en a qui vont même aller voir la mystique pour pouvoir avoir au coup d'un maraboutage, je ne sais quoi, le cœur de l'autre. Non, c'est sur la parole. Saint Matthieu au chapitre 7. Que nous dit Saint Matthieu? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique
C'est rassemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, 24, 27. Tabax sa cœur, ci lu deggu, ci lu deugar, ci lu woor, ndax taw bi su ñëwé it sa cœur baña map. Waye soko tabaxé ci souf taw bu ñew walanga ngrom lepp wal kaga day ma bâtir sur le roc et non pas sur le sable. Ce devoir de s'asseoir est toujours d'actualité. C'était valable il y a 100 ans, c'était valable il y a 50 ans, c'est valable aujourd'hui, ça sera valable demain. Même si nous n'avons pas cette intuition du père Caffarel, celui qui a institué les équipes Notre-Dame, nous savons par expérience que c'est en s'asseyant ensemble qu'on peut mieux définir où nous allons et trouver les moyens. C'est en s'asseyant ensemble, définir où nous allons et trouver les moyens. Quand tu es là, tu es là, tu es là. 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 Dihalat, ñepp ñi di soobu ci neegu seyti tay ji lañu am ci ay jafé jafé mu dar lool dañu xadd ñu rëcc ñu ngi ñaan yalla mu bëss seen xol té mu maylé lañu sentone ci neegu sey mu di banne mu di muccu gu rafet loolu mëna am. Prions pour ceux qui aujourd'hui sont en situation de divorce ou en voie de divorce. Parce que la situation est difficile, délicate, tendue. Alors qu'on se mariait pour le bonheur, pour la joie d'être ensemble. Et prions pour ces situations de couple. Prions aussi pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans la vie sacramentelle du mariage et qui ont peur de s'engager, qui ont peur parce qu'ils voient autour d'eux que du sable, la beauté, la sécurité, etc., qui n'est pas garantie. Et ils ont peur de s'engager. Et prions pour qu'ils puissent découvrir que c'est le roc qu'il faut chercher et bâtir là-dessus. Et c'est Jésus. Il est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Dignan, ngir, dignan, dignan, regal le sobu, ndakte l'agnou sento, moudi alalba, moudi kerga, moudi amga, moudi paspasbe, gisou nyoko doy yulen, nous te sen bop ne monogoum. Dignan, ndak nous hamene, négocie doulou lou moko jitel. Tchela bok nam. Waye lako jitel modi, yalla ndaxte mo yoré bakkan té mom kristané nañu mangi kenn bëss bu sel bu len tit bu len ragal. Vivre le devoir de s'asseoir, c'est un apprentissage dañu jang. Et l'abbé Athanase disait que toute la vie est un chemin de conversion. C'est vrai, toute la vie do na rek soobu na ci sey sama lepp mat na dedet yaangi commencer nak. Quand tu t'engages dans le sacrement du mariage, c'est un début qui se répète tous les jours et qui n'a jamais fini de se répéter. Qu'il faut toujours donc se réajuster. Et c'est ça le devoir de s'asseoir. Pouvoir trouver un délai raisonnable une fois par mois pour qu'on s'asseye et qu'on se réajuste. Où est-ce que nous en sommes? Où voulions-nous partir? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a modifié? C'est ça le devoir de s'asseoir. Fuñu bëgg jëm, luñu bëgg jot, fuñu tollu, lék ñu tok ñu gëssu. Ndax ñu sétat, su fekkene dañu commencé di moy, nañu déllu ci dañu bëggoon. Ñoko téggono suñu bokk ni ki sas. Su fekkati né dañu xaw commencé di ko nañu fabu. Nañu fabu. Le devoir de s'asseoir rencontre des difficultés. Manam war gar gi nga wara tok ci negu sey jeuker ak jabar war jabar ak jeuker wala amna ay jafé jafé ci lolou la jëm bala lolou ma bayyi abbé Athanase mu teunkel ni Allah baw pol la ne tantema kul ma hanam la la golal let ma tak la aflu ni mo
bale kulima wa ba li ke ta ko la kana ba ku kana na le mu bible dai is ke ta ku tan ko mu anau afani mo kate veluf la ta gunda ba minai no mante wa handa ba ju mu fanu lu lambe no na ila te felufala parce que avant mo kate fa ku bukana ku fanku fanku luor la lañe hisen kay ta ku kake ka kone ulima hota timit ho ho mu esimangay ajango mu banda lo mu lubo no kono kono anano ha sa te felu fala le buitik halale bale anano asaka na ku ak jamu tu ulima ta timit banda no kendi bunimo noko noko la no ha se atefe lu fol limalous nan mtemelu bul e felite kul mano manenu fayu fanelu bale atefe mu li witikahu halalahu ba mu witikahu ko mo hay yesu krista lane hubahum leluf la ko la kanenes butin ba fofu li nges wa hawu lamben anine wala na lawun kuyil kujo mu kuyil kujo la ne fof kama o lawasiet bo mata o tomo wonu hasmu kum kuli butin bataka iso arona le motivos wa sale kala ku ton wa benge si coupe sa benge son sur ce problème la nesiet fon ha ba mata ko kanam ko lu la fo ba mata bo kanaka no asmu ku koli koli kana ken di buye bobu mata no ko no ko lo bo kan kanu ase ke kuyé te kuyé ni son pam ko tef li malous ko bisun fa so li sino fon ha ba mata bo ko lan guba hum le ruf no ko no ko lon katiw bulon likintene babuma lene nan bukan ku yaboe noko noko lon bunu ken bakete li buluki ba bunu ken batte bu bakete li buluki fam bu lo sey fam lu kada do butune fam lu tegnena bo imbuy li bank mu nya bu ni mo anakom donc lettre bolok pata anine lettre bolok pata na le bare bu ko kulu ba ka yabo mu bu ko ko mu bunu kenam ban ano wan di wana no mu fana tebul fana kan fana lok min bunu kena mu ma boy bu jow kayo ba bunu kena bu kone bo wa bu feñu bunu kena mu ba la fo la ha se kanaku li bu lok mbata ku ba hum ba bañ problème ba ge bañ wa se ngi ba le bu kanaku ba hum ku lok wa se ngi mu li bu tanga bu wolil mano man fana ko baaji wolen na soume e katala baaw na continue les difficultés pour se devoir de s'asseoir d'abord des incompréhensions dans le premier enseignement si vous vous rappelez j'ai parlé de reformulation quand la personne te parle tu l'écoutes et une fois qu'elle a fini de parler sans que tu ne l'aies interrompu tu reformules, tu redis ce qu'il t'a dit comme tu l'as entendu et tu attends qu'il acquiesce qu'effectivement c'est ça que tu as compris, c'est ça que j'ai dit. À ce moment, il n'y a pas d'incompréhension, on se comprend. Mais s'il n'y a pas cette reformulation, on ne se comprend pas. L'autre comprend comme si l'autre a dit autrement, il y a difficulté. Avec le devoir de s'asseoir, on réajuste. Donc les incompréhensions, on essaie de les régler dans ce devoir de s'asseoir. Difficulté aussi de l'impatience. De l'impatience. Parce qu'on veut répondre tout de suite. Non, non, non. Dans le devoir s'asseoir, tu laisses l'autre parler jusqu'au bout. Tu l'écoutes. Il faut être patient. Et dans cette patience, il y a non seulement pendant le devoir de s'asseoir, mais il y a entre les deux devoirs de s'asseoir. Si nous prenons le devoir de s'asseoir du mois d'octobre, ça serait demain par exemple, et le devoir de s'asseoir du mois de novembre, à la même date, le 29,
novembre, mais entre les deux, l'école de la patience. Parce qu'entre les deux, l'extérieur, dont parlait notre maman Cathy, l'extérieur peut influencer négativement. Quelqu'un peut venir te dire, ah, ta femme a fait ceci, ton mari a fait ceci. Mais entre les deux, patience. Patience. Vous allez vous asseoir. On vous dira comment tout à l'heure. Vous allez vous asseoir, patiente. Peut-être que d'ici là, le Seigneur te dira et te montrera que ce qu'on a dit de ton époux, de ton épouse est faux. Mais il faut patienter. Mais si tu n'es pas patient, tu arrives à la maison, tu charges ton épouse ou ton époux parce que l'extérieur t'a dit, ah, tu es là, mais ton mari, tu es là, mais ta femme. L'extérieur, la patience. Le devoir de s'asseoir nous éduque à la patience. Je suis sûr que nous allons nous asseoir. Cette situation-là, cette information-là, ce que je soupçonne là, on va le régler ensemble. La patience dans le devoir de ce soir. Difficulté de l'amour propre. L'amour propre, moi-même, mes intérêts, tu ne regardes pas l'autre, tu n'écoutes pas l'autre. Il te parle, mais ce n'est pas ton problème. Tu as une idée dans la tête, c'est ça. Alors, cette idée-là, tu l'as forgée toi-même, ou tu as été voir papa, maman, tu as été voir tes frères, et tu as... Tu te forges une idée et c'est ça, tu n'écoutes pas ton épouse, tu n'écoutes pas ton époux. C'est cette idée-là, l'amour propre, difficulté. Dans le devoir de s'asseoir, on ne cherche pas son intérêt. On cherche l'intérêt du couple en écoutant l'autre qui nous aide à clarifier notre point de vue. On cherche l'intérêt du couple et par extension de la famille, mais pas l'égoïsme, intérêt propre. Difficulté de cet égoïsme et des malentendus. On ne pense qu'à soi, à son plaisir. Ça arrive. Le lit conjugal, c'est souvent la difficulté principale. C'est souvent la difficulté principale. Mais madame n'est pas disponible et monsieur veut à tout prix. C'est la vérité. Pour avoir fait une enquête sur 25 couples, la grosse difficulté de ces 25 couples, c'est le lit conjugal. Oui. Alors, difficulté. Difficulté. Je ne sais pas comment il va le traduire, mais il va le traduire. Les silences dont parlait l'abbé Athanase. Les silences, ça tue le couple. Quand il y a une difficulté, il faut parler, il faut se parler dans le cadre qu'on a défini tout à l'heure, en choisissant le moment favorable. Donc les conditions les meilleures, pas pendant qu'il est fâché ou elle est fâchée, pas pendant qu'il est sous ou elle est saoule. Non, non. Les moments favorables, les conditions les meilleures, c'est cela, pas devant les gens, mais en privé, dans votre chambre conjugale, etc. Donc le silence, ça tue. Parce que quand on garde le silence et qu'on n'amortit pas la bombe, mais en nous, ça travaille. Alors ça travaille et Satan est là pour faire mousser les choses et on se dit, peut-être que c'est vrai, peut-être on n'a plus de confiance. Ah, l'amour sans confiance, il y a problème. S'il n'y a pas de confiance, on se méfie. L'amour qui se méfie, il y a problème. Et quand on n'a pas confiance et qu'on se méfie, on commence à surveiller, on devient police. Il y a problème. Et quand on devient police, on est soupçonneur, on fait des recoupements, on fait des... Quelquefois on se trompe, etc., etc. Donc, les silences, monsieur Labbé, vous avez très raison de le dire, les silences sont dangereux. Si on ne les habille pas et on ne les anime pas de l'Esprit Saint. Qui parle dans le silence. Voilà. Tout cela peut surgir dans la vie matrimoniale. Ces incompréhensions, ces impatiences, cet amour propre, cet égoïsme, ces malentendus, ces silences qui tuent, tout cela peut surgir dans toute vie de couple. Donc il n'y a pas d'exception. Si quelqu'un croit que son couple est exceptionnel, il se trompe. Quand je dis couple, je pense à nos communautés, parce que nous vivons aussi cette dimension-là. Si nous croyons que nos communautés sont... Nous nous trompons. Voilà. Première difficulté. Deuxième groupe de difficultés, les difficultés pour les époux à se rencontrer parce qu'ils ont un rythme professionnel impossible. L'autre a une vie professionnelle nocturne. Il travaille que la nuit, c'est comme ça. L'autre a une vie professionnelle dure, c'est dans la journée, alors on ne se retrouve jamais. Et quand on se retrouve, on est KO. Et quand on est KO, on est tendu. Et quand on est tendu, les conditions de dialogue ne sont pas là.
Donc les incompréhensions, etc., etc. Donc une difficulté. Wara dajé ci diso négocier liko meuna galan koor modi ñak deggeunto deggante ci waxtaan mo taxone ci waxtaan wu jitu mané nit su lu waxé daal degglu ko bamu jéxal su jéxalé lamu wax yonga soti ko ci sa gis gis ak sa xalaat ci sa waxin pour won ko né limu wax jëli nga ko japp nga ko té nga lak bu meuna aha li nga japp mom la wax parce que su ngeen déggul rek réro amna benen jafé jafé bi modi yakamti bul yakamti dil dalu bin bin alo mané sank ci bir dalu gogou nit mën la ñew ci ñu maire kat yi wax li gëna yak négocier ci biti lay joggé nit dé ñew netali wala sos wala gëm loolu fokk loolu wala su fekké né dajé nañu tay ci négocier di waxtaan ñu wara dajuat ci fék wër ci digënté gi nit ñew né ah yow dé sa jëkër nangam yow dé sa jabar nangam bul yakamti nel ne fi ak wer dañu togat niñu wara tok dañ leen ko wax ci kanam nañ togat ci ñu toge bu boba dina ma wax mbir mi dina leer donc jarul yakamti mën na am bala boba sax yalla feñal la le lañu wax amut ay sos kessel la wala leneen la donc dal lu ci negu sey amna solo lolo lol gaaw wax bu faté liñu wax sank ñu lamm yu mu melni safara day la wala buñu faté lool benen jafé jafé modi sa bëgg bëgg bop man da li ma bëgg rek la topato mané sank ci négocier ci liñu gëssu ñaar fukki négocier ak juroom lañ ci gëna am ci jafé jafé ci négocier la wala jigen ji déné ah man da ci fuma tollu dal mënul nek parce que la lé goor gi mu né ah fokk ma jot la ciow ñu né pour lu bare fofu la lu bare donc buñ xol ci bëgg bëgg xolal li mëna nek ak lim jëmele kanam sen négocier donc sen joxot ensuite ñu né nopi gi ngeen nopi té nga wara wax ya ngeen nopi do wax la bay waxon sank né nopi gogou day indi musiba ci bir négocier ndax té so gisé dara wala nga dégg dara bul denc mën nga muñ ba boba mais na ngeen wax su joté wax waxtu jot su waxé waxal mais so waxul day poson sa xol yak sa xel yak sa gis gis ya nga gustu di nga gis lo xamne li tunu ensuite lool lepp mën na feen ci bepp xexu négocier amul kenn ku mëne lool da xana yeneen neeg way sama négocier dede ya soko wax ya nga nax sa bop négocier bo gis amna feewal bu fa nek bu ko mëna gal encore ñaari xetu jafé jafé yi modi jëkër ak jabar dañuy liggéey té bokku ñu liggéeyu kay manam rythme bi ki day liggéey guddii parce que militaire la wala gardien la nangam wala dafa wara dem bal et cetera ki bëcc ak lay liggéey kañ lañuy tassé ba tok waxtaan jafé jafé amna fofu parce que ñu tassé day fekk ñu son té ku son dégg dégg bi du démé nonu day gaaw gis bopam day gaaw mer waxtaan bu dalu nekkatu fa jafé jafé. Autre difficulté, c'est aussi les enfants. Les enfants peuvent être une difficulté. Parce que nous voulons parler, nous voulons nous retrouver entre nous, mais le rythme des enfants, ils sont là. C'est difficile. Voilà. Quelquefois, c'est une difficulté. Khalayi tibir kerbi, n'yen wara pok wartan, moun nek. Donc, il faut une autre solution, dem fenel, l'en ti wartanat. Si nous engagement, moudi ti kerge, moudi ti gorge, moudi ti djangouba, mën na nekk aussi blocage ko xamne ki toujours dem na xaj na la mu dem defi lu bax la lu rafet la lu sel la d'accord mais wargar wa jitu du fele fi la bax ci all bon ci keur jekel ci keur mu wal ci all d'accord ensuite comme ça tu vas traduire tout en même temps s'il te plaît. Les différents horaires par rapport au travail, les différents horaires font que chacun veut se replier sur soi-même. Moi, mon jeu de repos, moi, mon jeu de relax, moi, je ne veux pas qu'on me touche, je ne veux pas que... Non, je ne peux pas venir prier avec toi, je n'ai pas le temps. Tes prières-là, voilà, chacun se renferme, on se coupe de Dieu. Et quand on veut bâtir sans Dieu,
mais c'est le sable. Et ça s'écroule à la première difficulté. L'oubli de donner l'expressivité de l'amour. On est tellement habitué l'un à l'autre qu'on ne sait plus dire bonjour, on ne sait plus dire merci. On ne sait plus, en revenant du travail, amener quelque chose qui va faire plaisir à madame ou à monsieur. On ne sait plus. Voilà, on vivote. On ne sait plus rallumer la flamme. Alors qu'il faut rallumer cette flamme de l'amour par des gestes simples. Voilà. S'il y a eu un petit conflit, ben je reviens avec quelque chose que madame aime, que monsieur aime. Il comprend ou elle comprend que ce qui était, c'est passé pour moi, j'ai dépassé ça. Et c'est un langage. Et qui rallume. Donc, lég-lég, il faut que nous sachions comment nous sommes safara tiofel di dox sen digante parce que leg leg wax man la ñew wala leneen ngeen xaw reero ak so jégué dem dëkk ba di ñibisi jëndal na lo xamné sa jëkkeer wala sa jabar bëgg nako soko téggé ci loxom dina xamné ah ci ri mer ba wala cioba faté nako aha nga talat sen digante tiofel mu gëna jëm kanam c'est important. Autre difficulté aussi pour le devoir de s'asseoir, c'est la précarité du travail. La précarité du travail. Ko xamne ki liggéeyam taxawul. Voilà, wala amul liggéey. Négo sey bi day xawa ñagas parce que du joxé lamu wara joxé té bu ko joxé té kako wara jot té jotuko daf ko gissé nenen mu indi lu xaw metti. Tok ci situation yu day metti aussi. C'est difficile de s'asseoir quand on n'est pas à mesure d'accomplir le minimum de devoir par rapport à sa famille. On est soi-même gêné et l'autre exige. Et ne comprend pas qu'on ne donne pas. Alors donc, on n'a plus les conditions de travail, cette sérénité intérieure, on ne l'a pas, c'est difficile de s'asseoir. Voilà, monsieur l'abbé. La parole est ici. J'écoute. Ala baula yis bu sanjimu li bu long bata anine lias ekol nam bagatumu kajamo nana faale alo be hulim ban u ko nyamut hulima on bu hu geno u ko nyamut hulima o fangi jogi jow fangi jiwo balle jak lane fof tan sangimu fof bagé li utongou nikelani naw nikelana law ahastu hanko nakako ana sommene kulimu fulumu la semaine merci ma sœur. Et le père aussi voudra boire. Merci. Je laisse la bouteille. Attends, n'attends pas. C'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. Merci. Nanou la kamou baba et question nanana la a posé moulane si problème sa menge tien si fou moule. Nanou ya boye li anine lou yap anale lou has kanako kanka lone louf non hew heuhum to homu la to aso hando mu ñaan ko mu li bu yebbo wa mu le lu fa yo lul ci fañu mu bukana ko haaso tan ko haas bu ko gelo be mo ba la gi jontu mu gelo be suki ara ta haaso hando ku jimu c'est pour on peut apporter une petite réponse. Je n'étais pas tout à fait d'accord sur ce raisonnement. Si nous voulons que les gens sachent ce que nous vivons dans nos familles, dans nos couples, c'est nous sommes les propres responsables de ce dévoilement des secrets de notre famille. Mais si quelqu'un doit venir t'apprendre qui est ton mari, c'est que toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Avant de t'engager dans le mariage, c'est que tu connais la personne avec qui tu t'engages. Tu connais ses qualités, tu connais ses défauts, tu sais ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.
Et si tu ne connais pas tout ça, alors il y a un problème. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on dise que les problèmes souvent viennent de l'extérieur. L'influence, oui, ça peut exister quand la personne est un peu faible. Mais quand on s'engage dans le mariage, c'est que tout simplement, la Bible disait tout à l'heure, le mariage est une vocation. Et qui dit vocation dit responsabilité. Partagée. C'était pour répondre un peu à Madame Cathy. C'est ça, non? C'est Cathy? Voilà. L'aîné, 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 no konon ki fagne in wahamu le lu fu jakuma na haswo même si bu ko lawul le ko has e in bu kana ko jakku hasati yo ala balo mu datem la ne ku begul waho wa bu señu señge fu ko ngiba bana ñomu giba ko ku lu bawul fa ngib atemit ma ma fana sonenu fana ahitenun ingi juk wahamu ma jak ingi li gi jok balani ke wana ju kalemu sanjiwum rek asumuto la natay jaju ko jaaw eh nana ko lam andam la tara gaju ko jaaw ngeynuma ale nam ñoo su prononcer de commencer ou bien gaju ko tantaku parce que les tantes là c'est toujours ceux qui cassent les mariages eh ko tantaku les tantes là c'est pas les tontons. L'année fof waamu ma sangili bu lomba tani li anale kan kan non anam wala fa baj la baj anyakalang bola anola nges la nyak alam bola bagatu ka babulu bagatu hubahum bagatu ka jamo bagatu manten gi bahingi hasu njom gelom eno mamuji mu lane hubahum hu comme on règle les problèmes humains. Nous sommes dans la haska, tant que la humanité a été boule, tant que la lemu, tof of ahwa ilma commence, in lili bay. Wanjon tumu yi bay. L'année problème ya kefof, wahamu mousengi fof, le bolomba tenina nale, bay kankan anu haska naku, wabagemu li ufito, si fit li ufito oli, wamienye do bagem. Alors, j'ai parlé ça d'abord en français parce que j'ai eu à traiter ce problème avec les équipes Notre-Dame. C'était qu'est-ce que c'est le viol dans le couple? Est-ce qu'il y a un viol dans le couple? C'était la question qu'on m'a posée. Je suis parti jusqu'à l'affirmatif en disant oui. Et l'abbé a expliqué tout à l'heure et il me disait que j'allais tout dire. Nanu ujau nak indikafiti laini bandono loyok la forcei. C'est un viol. Si si. Aini la fu ajau blok la belenyul lelako bono jau bolani au bangketom lu forceol. Tu as violé ton mari. Ne pense pas que ce sont les hommes seulement qui violent les femmes, hein. Ah non, non, non. Il y a des femmes qui violent les maris aussi, hein. Attention. Vous n'avez jamais entendu ça. Bon, je vous l'apprends aujourd'hui. Anina Mangoudou, d'accord, français. Eh, bon. Les mots. Eh. Eh. Pop, Anna Mangoudou, d'accord, dame qui force. Bon. Eh. Donc. Alors là, il se l'année, wa mengé, wa créé mon problème ici. C'est une façon nous waou. Kaja mo la ti lelal. Ka mengé, l'année la kan kan enquête. Les otomomo ku kuluba ba les problèmes soli fait. Elle là. Eh. Kama anondi bu kulul ay limu la ay no la guerre la kama ngebul kanemu. Eh,
nga askana ku nan ay ni man ta seki bagé ke ni ne ke kan tatema aseki ani sey dam jabon ke tom jakut nu nga sun force o ku jongi to lakila lo ason du viol o viole eh viol c'est un viol il faut que ça soit consenti de façon comme il a dit tout à l'heure exclusif c'est-à-dire il faut que ça soit vraiment wando asem kana ku jamo wandi jamo le di kawo voilà sengi hein le silence yeno mu kano li lo yo baama lene huba humu muji ande tay li anen holim hasanjiol lesigi parce que kan waku ko ka gen ka gen bu yebbo waxu baji sengi lolul yo nu kemlo kem fam foutu mu fam fu lelu fay bu kana fam ko janka futaku man na jam ko est ce que ko mu janka futaku lekku musku noken lelu falu bande gi li jikindo ano sa warate bagasa la na jobot wasangi mu fofu la ne u fimbo la hu la ni na hu le na la mata bu lokabu ni ke ani na amene ter aleto na yo si suka subabu ko bonyo luy da kambo simit ahu ni ke franok li bujum te hunak ahu la lok li bok le ku lu ku fimbo ni ke na majo ni ke bela ñul la ne la yo ana la aussi ni ke ni ne wala ci problème mata la tu u nga sunu has wo gi mu la ni man ko le ci problème ni ke non ana la bil tu mu na jo mu jo fanan ha kama ndu gemu teng bolu lo kuleul woji muli ngumu le hek wosa ngi mu fof ala bola ne bagni la bu nike kaya bo mu fa ku ngess mi kuy lu ko lop mi kuy lu ko soumen balé bagni la bu le bu lu permettre il ku ku kan ku soumen Aboulo Mokana, il faut trouver le moment favorable. Ça, c'est la séance du couple. Sinon, vous créez une sortie. On a la sécurité dans un petit campement ou bien dans un hôtel. Comme ça, vous êtes tranquille. Bangala pour la Kobo, elle nous fait. Comme ça, Bangi est soumis. Ou bien nous avons tout le ticket, les bars, les jaquets, les gâteaux, les bières, les gâteaux. Vraiment. La ne fofu am mo sengi fof ni ke bulonga ban lo ngalemu ni ke akew mu to kamut kale mu ni ke kamenge bulaka pata jangway bu mengi me akela ke te sis akela conseil paroissial akela caritas akela hasua na huna ko huna kala nyok mana ma la nyok ne bal yingul abibot minuit na ma li ngul la ne le yok ne ke tu khas les soumi sacré il faut faire quelque chose ce problème comment la ne waham la priorité la première des priorités wana sum kana ko wana mu kam kayong bulonga bata butonga buye poli jakum wahu kan nduka jam nuk usi butongi fano asro mu kan comme on dit les français l'équilibre wasa ngimu fof la ne si watasu ci watasu ahu fana kam mame ni ke bon jon maten ke kalaw balle ji musu gi fim bo ngi law matawa gela ki jox heure yano ahu heure li mo ye li mu bokala ko ak on babu ahu la len mo ahu babu tout ça kan kan wata o se ngi bo li wuto ngaw la ne fofu wa se ngi mu li bolong bata ni ne li anale wandu hasmu wata esenolo esenolo fe ni ke lu fu baba lo lomo ufu wuru lin tatu lu jok giti su gaja ke gati bi nemu ay ni la fa fa ngi bi nonu nge mano man fa le non jo siet ile mu li nyet ni se mo jo
anoman fan 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 yak. C'est pas des gestes wahabo asawati tabale wahaw wom butuna bu limala mata u fanyum u fanyata anilele anale wahatita let mata nuka no huema kimbila kol fam fangeni wahwatita ni kekulim ni kekanyet ni kekanyen hein ni kekadala asu u duk di fantalon lu tebul muña wahatita nuis ana wu faño fay donc yo alabao ahi solam la defof wa sangimu bulonga bata siet bukana ku bagatu blok ana lu hasakana ku lu bagge bangil fa lu kané u getumi l'école bon ku teñ bonu kokil bonu son tenil banu bagatu mu blok fa sangi kate wala ku ku fanku kan ni ke la tu bag tanga tabu tonga boni ban nona seki aju kutum wa haw non ku awu no homu fangi legi jamo parce que fa na soxlay ban na tule ule to nana ma soxlay ule to fam bi gogo jow legi bak ci problème donc yo ala baw ay sum merci beaucoup Athanase. Il nous reste 2 points, nous avons un quart d'heure, ça va aller. Les objectifs du devoir de s'asseoir. Objectif. L'Union Sintou qui top négocié. Les objectifs. Le père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame, en 1945, avait défini 7 objectifs qui sont encore valables. Quand on s'exerce au devoir de s'asseoir, 7 objectifs. Premier objectif, retrouver l'idéal entrevu. Retrouver l'idéal entrevu. Quand on voulait se marier, on s'est assis. On a dit, voilà ce que nous voulons faire de notre mariage. Voilà le nombre d'enfants que nous voulons avoir. Voilà quel type d'éducation nous voulons leur donner. Voilà comment nous voulons vivre notre vie de foi, notre vie avec la belle famille. Voilà comment nous voulons nous engager dans la société, dans l'église. Voilà, c'était le programme de vie. Le planning, si vous voulez, du couple. Alors, à travers ce devoir de s'asseoir, on essaie de trouver cet idéal. Est-ce qu'on est encore sur cet idéal-là? Est-ce qu'on marche dans cette direction-là? Ou pas? Deuxième objectif, consulter le maître d'œuvre, c'est qui? C'est Dieu. Le texte de Saint-Luc, que nous avons cité tout à l'heure. Avant, assois-toi et voici. Consulter le maître d'œuvre. Nous avons des projets. Nous avons défini. Nous voulions trouver les moyens. Très bien. Nous en sommes en stade. 1 an, 2 ans, 3 ans de mariage, peu importe. On consulte le maître. Où en sommes-nous? Qu'en pense le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Lui qui s'est engagé avec nous dans le mariage, c'est le Seigneur Jésus qui scelle le mariage. Alors, où est-ce qu'on en est? Comme Jésus qui prie toute une nuit pour demander à son Père avant de... Nous aussi, on demande au maître Jésus avant de poursuivre le chemin. Troisième objectif, lutter contre la routine. Lutter contre la routine. L'amour est tué, étouffé par la routine. Il ne faut pas s'habituer. Il faut toujours savoir créer des gestes, des circonstances qui renouvellent ma donation à l'autre. Ça peut être un anniversaire du mariage, par exemple. Un anniversaire des enfants, un anniversaire de baptême, un anniversaire de telle chose, tel voyage. Trouver des occasions pour renouveler. Et changer. Voilà, changer. Quelquefois, c'est de changer de milieu, comme il l'a dit. Voilà. Quatrième objectif, prendre du recul. Prendre du recul. Nous avions décidé, nous avions eu cet objectif, mais la réalité est là. Entre-temps, j'ai perdu le travail. Entre-temps, il y a la santé qui s'est ébranlée. Donc, il faut des dépenses. Entre-temps, il y a un enfant qui est venu. Entre-temps, il y a telle situation. La belle famille, papa ou maman. Entre-temps, alors on prend du recul. On essaie de voir comment on va réajuster ce qu'on avait prévu. Au niveau dépenses, au niveau relations, au niveau affection, etc., etc. Cinquième objectif du devoir de s'asseoir, découvrir le Christ
agissant et parlant au foyer. Parce qu'il s'est engagé et il est toujours, toujours, toujours dans le mariage. Même si les époux se font la tête et l'un va là, l'autre va là-bas, Jésus est toujours là et fidèle. Et il veut que tous reviennent à lui qui nous a unis. Alors, reconnaître qu'il agit et qu'il nous parle. Alors, s'il agit et il nous parle, ben, nous devons l'écouter. L'écoute. Nous devons adhérer parce qu'il veut notre bonheur. Nous devons le suivre parce qu'il sait où il nous conduit, puisqu'il est le chemin. Voilà. Sixième objectif, enrichir nos spiritualités différentes au cœur de notre couple au lieu de les opposer. Enrichir nos spiritualités différentes au sein du couple au lieu de les opposer. L'un qui est d'une vie charismatique, l'autre est d'une vie légionnaire, l'autre est d'une vie de la dévotion à Sainte-Faustine, la miséricorde, l'autre est d'une dévotion à la parole de Dieu, à la lecture divine, l'autre c'est une dévotion du Saint-Sacrement, adoration. Voilà, on enrichit, mais on n'a pas à se dire à toi avec tes réunions de quatre soirs, à toi avec. Non, on ne les oppose pas. On enrichit. Et ça, c'est en plus. Mais souvent, nous voyons des oppositions parce que l'un fait ça, l'autre, alors ça fait pagaille. C'est trop long votre truc. C'est une manière de prier, etc. Non, on s'enrichit. Si tu as une épouse qui est charismatique, ne lui demande pas de te faire une prière en deux minutes. Elle ne peut pas. Parce qu'il lui faut tout le schéma, la louange, l'intercession. Il dit, prends le temps. Ça t'enrichit, etc. D'accord? Et septième objectif, nous ajuster à tout point de vue. Nous ajuster au point de vue spirituel, au point de vue sentimental, affection, au point de vue spirituel mais aussi financier, au point de vue relationnel, au point de vue santé, au point de vue objectif, projet. Nous réajuster. Est-ce que ce qu'on avait prévu, on peut ou on ne peut pas? Est-ce que ça va aller ou pas? Est-ce que nous sommes en mesure de continuer à ce rythme ou pas? On se réajuste et non pas être figé. On a dit ça, on va le faire parfois. Non, on a dit ça, on voulait le faire, mais il y a des circonstances. On a un enfant qui est né, il est malade. Les choses changent. On se réajuste. On voulait à ce moment-là construire 3 étages. Bon, on ne peut pas construire 3 étages. On va se contenter de 2 ou de rez-de-chaussée. Il faut accepter. Se réajuster. Donc, en Wolof, l'unicien truc qui top de nuit top 10 qui négocie qui consiste de courir l'équipe Notre-Dame de côté de Jérôme-Niari Bankas. Bajit, tout le monde est. De nous avoir top qui négocie dans l'an, dans cette l'année sainte on qui négocie dans nous on va voir les connus. Parce que nous avons négocié de nous 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 de keur gu melni dañu bëgg xalé jàng fi dañu bëgg ñu yar leen ni dañu bëgg li dañu bëgg leele aha leg nak suñu togué wër bu nak ñu sét ndax loolu ñu teeroloon mu di suñu diirub jamono suñu projet ndax ño nga xaxal neeku ñu tax voir visiter ñaarël bi ñu né dañu wara laaj ki nga xamné mo yori lepp té mo ñu boole ci neeku sé mu di yalla Yesu Christ ki li téré bi wa bala ngay dem di tabax xolal ndax am nga wala amulo nga laaj ki xam te mën te yoré te sañ nga laaj ko xalaatam ay yeesu dañu bëgg def li yo yaang ci neegu sey bi ya ñu bolé lo ci xalaat ndax mën na sorti ndax ñu soobu la confiance à la divine miséricorde etc à la divine providence je veux dire ñettel bi modi ñu xex tamel parce que dara soko tamé do ko ko sétat do ko sa ragné da nga romb rek do ko bul tam sa morom ci neegu sey chaque jour do don lu bess ku bess da nga defal ko lu bess lu ess chaque jour mais soko tamé min ko do ko falé dina febar nek ni do ko setlu sax ah defa febar nek xawmako won setlu moko pourtant ngey ki yow bes bu nek di yew ak yow ci neewu sey te setlu woné defa febar setlu woné ngey yoy nit ci all mo la koy wax problème ñettel bi ñentel bi moy nga mëna delu gennaw gëstu wat li lañu bëggoon fi lañu bëggoon dem ni lañ ko bëggoon defé ak ni ak pexé yi lé légui fuñu tollu ah jafé jafé amna kon nañu sétat lañu bëggoon mëntul nekk légui té ñu sét né né ñu mëna def ba ñu fex donc sa mëna tu ñu tabax ñetti étage
nañu tabax ñaari étage parce que xalé yi bi parce que lele voilà prendre du recul baña yakamti juromel bi modi ñu xamé né Jésus Christ mi soobu ci négocier parce que mo ñu lënkelé ci sacrement bi Jésus mo mu ngi ci bétay té mu ngi ñuy wax li jëmele sey bi kanam ñu mën ko xamé day fekk nak ñu déglu ko day fekk ñu sétlu ko parce que Jésus duñu bayyi loxo nén té duñu sétal ci choono ci metti mais suñu sétlu na Jésus mu ngi ñun diñu jappalé ñu langamu ci mo ci wala jëfandu suñu ko sétul té ñu tartis di dem ci Allah ba di outil fenen di outil nenen ak lenen ak kenen té du sorti juroom benel bi ku nekk sa dundinu ngëm ngëm gi ben la amu lansay ben la wala mais ki dé l'échelon de Marie moko saf que le charismatique moy mbiram ki baatu yalla dum koy rabat nopi ne ciel moy affaiream ki jaamu yalla ki divine misère ku nek la nga tamal sa xol ak sa fit lolu waru tax ñu rero ci suñu biir way nga bëgg ñëpp bok ci li nga bok yow ñëpp nek ci nga lek yow dedit koku day jëmele kan gennaw négocier njobot gi aussi bi mujjé moy ñu setlu wat bañu térélé suñu doxali ñu xot fuñu tollu ñu xam ci digg digg suñu doolé famu tollu mudi ci alal mudi ci dundungam mudi ci négocier mudi ci fonk sa morom mudi ak dekkndo ya mudi ak goroy ah ñu xor ndax fañu nekk ñonga ca am dit suñu fa nekkul ah ñu déllu ci yoon wa suñu commencé di jadd nañu déllu réajuster ça c'est les objectifs du père Camfarel pour le devoir de s'asseoir. Pourquoi le devoir de s'asseoir? Parce qu'à travers le devoir de s'asseoir, nous reprenons souffle, reprendre souffle. C'est comme quelqu'un qui court, voilà, au sport, tu cours pendant quelques minutes, tu es essoufflé. Après, tu reprends souffle. Et quand tu reprends souffle, tu peux aller plus loin. Dans la vie chrétienne, dans la vie sacramentelle du mariage, il faut toujours reprendre souffle. Il ne faut pas s'essouffler. Il faut reprendre souffle. Il y a des façons de se négocier. Il y a des façons de se négocier. Deuxièmement, pourquoi le devoir de s'asseoir? Parce qu'on se renouvelle dans le dialogue. Dans le dialogue, dañuy yé salat ku nek moromam ci diso bi ñuy diso wala ku nek wa sa xalat ñu meutele suñu xalat ñu xam fuñu jëm dans le dialogue. Donc nous remettons toujours à cette image que nous sommes fixés, nous voulons devenir tel couple, telle famille selon le cœur de Dieu, toujours nous renouveler. Et enfin, parce que le devoir de s'asseoir nous aide à approfondir notre liberté. À approfondir notre liberté. Ku nek yatane mu ñoo soobu. Ku nek bañ waxtane nga ne aha d'accord na and na ci. Kon lolu ci waxtane gi ñu waxtane ci négocier dina tax gëna dëgeural sa tan gog nga tan ne aha d'accord na ci bëgg na acca ñu dem. Wala mu gën ko dëgeural bul déllu gënaaw. Bul ne ma waxon waxu xet kenn am na ko mom. Ñun momu ñu ko chrétien. Chrétien Yesu dafa ne so ne waw. Sonne dit lolou la christ ki sa wax lolou mo dundou chrétien way waxet yesu chrétien bokou ta tuduma nit de est ce que tuduna nit ah tuduma nit de waaw bemes mo ngone tok biñu deglu tuduma nit de voilà maintenant j'enchaîne comme ça tu finis comment faire le devoir de s'asseoir nak lañu défé toga gog ñu wara tok diso ci négocier comment faire le devoir de s'asseoir. Il n'y a pas de formule toute prête, dit le père Camfarel, mais le devoir de s'asseoir dans les écrits de Notre-Dame, la formule habituelle est la suivante. Nous prenons un calendrier, un rendez-vous avec Dieu. Tel jour nous voulons nous retrouver avec Dieu, telle date, et ce soit vraiment un rendez-vous à respecter parce qu'on a donné rendez-vous à Dieu. Si on avait donné rendez-vous à Macky Sall ou au pape François, on commence à rater. Là, nous donnons rendez-vous à Dieu. Tel jour, telle date, telle heure,
voilà, Seigneur, nous voulons qu'on se trouve à trois. Parce que le devoir de s'asseoir, ce n'est plus monsieur et madame seulement, mais c'est monsieur et madame et Jésus. Et c'est matérialisé physiquement par trois chaises ou trois tabourets ou trois bancs, peu importe. Un banc pour monsieur, un banc pour madame et le troisième banc, il est là matériellement, physiquement, palpable pour Dieu. Pour dire quoi ? Que ce qu'on va se dire entre époux et épouse, nous le disons en présence de Dieu, qui était témoin de ce que chacun de nous a vécu individuellement dans son coin, dans son travail, dans ses va-et-vient. Donc si nous disons les choses en présence de Dieu qui a vu tout et qui a été témoin de tout, j'espère qu'on ne va pas mentir devant Dieu. Donc c'est déjà l'éducation à la confiance et à la transparence. Confiance en se disant ce que mon mari va dire, ce que ma femme va dire devant Dieu, ça ne peut qu'être vrai, il n'ose pas mentir, il n'ose pas mentir devant Dieu. Donc confiance. Transparence, parce que bon, mon épouse se dit ce que je vais dire, c'est vrai. Donc il faut que je sois transparent, je dise la vérité. Il faut vraiment la sincérité là. Et cela rejoint quoi? La patience. Depuis le dernier devoir de s'asseoir, jusqu'à ce devoir de s'asseoir, il s'est passé des choses, des informations que j'ai reçues, ou des soupçons que j'ai eues. Mais je suis patiente, parce que là, on va parler en présence de Dieu. Il ne va pas me mentir, elle ne va pas me mentir. Donc ce qu'il va me dire, ce qu'elle va me dire, je lui fais confiance. La patience, la sincérité, la transparence et la confiance. Dans ce devoir de s'asseoir, on apprend à être humble. Parce que c'est ça, ça demande l'humilité. Pour reconnaître, ah, vraiment, ce qui est, il s'est passé des choses, j'ai dit des choses, j'ai rencontré telle personne, voilà, sincèrement. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant, vous ne soupçonnez pas. Mais dans la sincérité, tu dois dire, parce que Jésus est là. Tu dis, ah, je suis désolé, mon époux, ma chérie, il s'est trouvé que j'ai rencontré mon ex, j'ai rencontré vraiment, il s'est trouvé que j'ai pris l'argent, il s'est trouvé que j'ai prêté sans... Voilà, tu le dis. C'est ça, l'humilité et la sincérité dans cette vérité-là. Dans ce devoir de s'asseoir, on ne cherche pas à condamner l'autre ou à le juger. Non, non. En lui disant, ah, je te l'avais dit, tu as mal fait, je savais que tu... Non. On fait miséricorde. Prêt à pardonner et prêt à se faire pardonner. On fait miséricorde. On fait preuve de miséricorde. C'est ça le devoir de s'asseoir. Et c'est ainsi que pas à pas, on s'achemine vers une vie stable. Il y aura des difficultés, oui. Le vent, la mer, tout ça va souffler. Mais on va tenir parce que pas à pas, de mois en mois, de devoir s'asseoir en devoir s'asseoir, on a vidé les problèmes. On ne les a pas accumulés. Donc la difficulté qui était signalée, les infidélités qui font qu'on se divise, non, le problème sera réglé parce qu'à chaque devoir de s'asseoir, on va régler ce problème d'infidélité. Donc on ne va pas accumuler. Et chacun est censé être sincère, donc chacun va faire l'effort d'être fidèle. Donc on n'aura pas à vivre des infidélités. Je peux avoir deux époux, trois épouses, trois époux, je ne sais pas quoi. Quand on en arrive à se séparer, le devoir de s'asseoir règle le problème de l'infidélité. Si nous sommes sincères et véridiques. Voilà. Donc, toi, amener le barré le moujour. Le moujour m'a dit, de nous voir à toi, parce qu'il y a le mot que vous avez. Tu es un peu de temps, vous n'avez pas de temps. 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 Vous pour pas de temps. Ñettel ba yalla moy tew mom sax sax parce que yalla mo ci negu sey bi sakarman yalla mo len bolé mo ngi fek yeen ak be faw lo meunta def faw meunta def ak noko meunta def ak koko meunta defal yalla mo ngi tew mu bax mu bon yalla mo ngi tew moy mandar ga ñettelu togaay bob togaay bi kon ci devadu sassar su yalla togué xana man mi yalla gis lama defonté cédé fek sama jëkkeur wal sama jor nekku fa won té yalla nga fa won mom sax sax su togué rusna di fenn ci kanam donc il faut que ma wax deug ci wax deug bobu il faut que kené ki may wax deug gi mu di jëkkeur wal jabar mu nangul mom wolul né limay wax deug la confiance lool lan la woté woté né man dama wara soufélu parce que né limay wax rusna parce que vraiment lima def
fama jaar duguna fi duguna kele gis na kele ñaawna mais faw mo wax ci kanam ko amna ci tewlu mu yalla soufel soufel gogu lan lay indi su fekente ne waxna deug deug ne djoumna xamé nako ne mu xamone nako wala xamukone peu importe man dal xamna ni djoumna waxna ci kanamu yalla ci tewa yalla djoumna lan la wote yow mi ma togn mbale yermane mais soné ah ya def li ya nangam nangam comme ki non la man lay dedit mbale yermane lol moy tax negu sey gëna deugër ñu mëna hous jëm kanam motax liñu waxon né lék lék kéna dé déw ñëw fu faalé ñaari jabar u faalé ñet jëkër ba finalement kenen ki lay bédé ku né comme ki non la démal ma dem lool dañ koy lijeenti parce que chaque fois suñu togué wax joju su ñëwé dañ koy wax té ku nekk taxaw ci tanku def li yalla bëgg comme dañu hous duñu dem ba véro ci négocé ba ki di bété ku ndax ci kërul bari wala jabar ju bari du bëgg pardon du mo sa am c'est que li ñu vraiment dund nañu suñu togay ak yalla togay ak yalla bobu rendez-vous la du né ah suba suba ñu dem wala gëna dédit da ngay jël rendez-vous ni ngay jël rendez-vous ak Macky Sall wala rendez-vous ak Pape François té saño jël rendez-vous ak Macky Sall té do dem wala ak Pape té do dem da ngay xam ci dem yalla so joxé rendez-vous mu ngi lay xaar kon nga yakam ci fexé nak ba rendez-vous bobu mëna am amul né ah dama am gan légui wala dédit sa rendez-vous ak yalla fexal bu mu am maintenant su sese ba ses parce que japp nañu rendez-vous mais digënté gi amna tolof ci bir jobot gi dañu wara dem entraînement parce que c'est souvent ça le cas dañu wara parce qu'il dafa fièvre voilà c'est le cas à ce moment on déplace de 2 jours de 3 jours d'une semaine c'est pas un problème l'essentiel c'est d'être dans cette logique qu'on doit se rencontrer et on doit se rencontrer dans le meilleur délai voilà ce que j'avais à vous dire sur le devoir de s'asseoir dañu wara tok 10 jours parce que yalla moko sos té moko santane dañu wara tok 10 so ndax té ci lañu tabaxé suñu négu sey dañu wara tok 10 so ndax té lolou dina tax ñu sét fuñu tollu ci suñu négu sey ak fuñu jëm dañu wara tok 10 so ndax té ci lañu xamé Yesu Christa mi di jëf ak ñun ñu xol tamit ndax moy nañu ñu mëna déllu dañu wara tok 10 so ndax té fofu lañu rawanté voilà yermandé gi koluté gi lèr ki wara lèr muñ gi ñu wara muñ baña ñakanti dañu wara tok 10 so ndax te yalla ci bopam da fay tok ak ñun 10 so mom mi di yermane nañ ko gëreum sant ko be kay suñu delo kër ga negu sé ku nekk nga jema tok ci togaay bobu lu dé dañuy wax affaireu facture ba courant ba école hall dédét negu sé bi lañuy wax c'est pas s'asseoir pour régler les problèmes de la vie de tous les jours là les factures non c'est pas pour ça. C'est vraiment la vie du couple, le sacrement. Où est-ce que nous en sommes? C'est là. Merci. Alors, voilà, ne. Hubahumahu, hatta. Bouton. Bu jongene jongene di wax wo mo tok lulu ba otielaw ani ne wala la law kaya bo mo côté ko ba kayno kata min ku jok wa hakamu likon ku fanyo min ku jok ni mo parce que anani ne bala kon kon an ni ne la nalé bala ko nimo ko ba baxin ko lo ban ko jamo min ko as bu ko ko getum bu lo la boli leno donc hubahumahuma kan kan wono ha sewatu mu kan kaya ba mu min ko lañ bu sol min ko jukke non du ka no udu be mu jukke li kasetu nu juk bu nu no ko le man tanu nako nako awofu no nanu fulato mu mate lo an kem nge wa habje mu ko ma sew halen tan lam bu sol wa ngi kanen no mu bon na programme yo fe fangi ju ke mate ndom mu le joy mo wala bu tawula ne li hubu mu nguma
fangijo gi ginges ingi lop li anu has mu kanaku akam mumin bu yebo bol bu bac o mo temit kalaw ragutenahu lane jakku mula kwalu bahal li anu has mu kanaku walet mul kege tumolal luy nu bila munike ujal wahun kulufulumu bukale kon ah ololi moji makanemu ololi moji kanemu wan one wolu kané nana wolu kané waha wu getum getum li ma jakko yo mu fantunu jo kay u fantunu jo kayo foku ndinges jakum ju loli wahuma ko balike naw lané nako mu lon ju jom jogi jogu nike wan ndinges mu wanji sumemu balagi abo ni kaoke fanu fulul ni ke kasumut ni kanyil ni kaoke li buton abu bata seki mate buton abataini waaw felu bel u kajen programme alu fe mu nyabu jom murji kaneno fakku ngilan gilanyul njiba ngilangi no jon mate waaw waba jomu fanu nu kan min wanji gis gi jokumu wilu baj jilan busul nanonan watake naw lané fakku ngijuk yesu krista li tutata buton won mata yesu krista mu to mu djimu lané li les équipes notre dame nan bu kanaku ge bokka ba ing klop anina na naw fakku nga ci bang ci heji anina yola ana law yola yaayu yanto muy hegute ne yoy moota yesu krista omuto mumujimu nan jomu gi do bok elom bagut kayo ho wa han jomu gi lop malegen balé ano safana lop malegen lané otoké naw li ano law yow moa lané li bulong bata akel chen bukanaku kuku menelit kene nak ko li li mu kanay mano ni kana la ofana la ngele son de mari ani ne wala ngi charismatique ba ngela bu kon ko koral akew mu ton ke adam mu kone adoration ce sacrement man ke man tek li ndam lan kone c'est adoration cathédrale na tay adjo bot adoration la de waxa ulat u kan min baj ka gabo waxa wote o plutôt o lo henolal ahwana mangalul wana tem tawlo mu ndafagnu mina ila kumenke na ko kola ototu le yeno laynol u bien wo ha ototu le yeni la seki fanu bin ndu li u fi fameno kankan non anu sana tebu tebul in li fameno li bulonga bota butonga bu otake na lu butaw u fa fakan na mo li wabalike naw lané nan nonan waxaw fe li bulonga bata anine li ase bouton waxaw fe woto kan wono asakan ak wata kalako ni ke fanjon bangi fangi tefeluf jone ni ke tage ni ke mota gi nomé wuto ni ke gi jok voyage ni ke bi jogi fala bota joy ni ka ñu ni la somut bonu kam bonu forcé ñu jow et forcé ñu joy far ko nu fulen non ah waxaw wata urgence suyé. Donc il faut manou kambolo kam u gas ñomu gi gilañul ñon ah kamata tema o kanama o kanama minu lal mi li jak la laña gelen bu kamu bu kanali baj kulakum ata anini ri anale bu kané la né min baj ko yi hu onkul wi asé u jomu blok awanya ajoma ja nyaany ni ke ajoma jola fana ba fana ayokulo ndabaj weho akke ne la continuer wanyay mu nyaabu to nga bu mo donc on ko lon donc fa gilong digi ba ingi la ngi ngelu wi akke im bu to nga bu ani ne la na la koy ku jog la ne fof waxaw wote obaj li si soumen
ci soumen atu taban di bouton nano nan fok anine la la ko soumen yi soumen la la haw fanu lambenul minano na ay la kanu hana fanyumu let mata ka fanyu ka ranu kan mo yem wakka gen a a wa nu fanyumu yenu mu kan ka olik fukuli hu fanyum c'est que au centre qui fait qui sala ne o fany bandu kan nanu anama sekana ku akane lib bandu kan nanu fanyum voilà yo bale bulom mu kan bu jomu di kan haw hulaku mo u bo mo bu mo kan yeno la ne fokon anine la na la ku nga rendez-vous li atemit foku di nga rendez-vous ba rendez-vous yi ma fa ngi respecter yo jamu atuy man wate yo man ay eligu mu foku ngi jox ndogi jam ndogi gi soumen di atemit la ne fof li hubo mo hu anwan di anian ne ko la na law fa na non fa na li ken kale nolo kale hukul bana jakum fof non gi baxu mo bot ci soumen jakum nges nano nan noti ba fali noti bo non ma takla ka gene ma takla ka ne muke hubo mo huma let ma tan noti gati bo bo ka jamo anonda alo wanda kam moja ku taw anonda alo wanda kam moja kaw jobanu mu lo sa ndom mu jall inu la lansal in fahama jak be jak ko ndom ndok bahal ana manal bu al solu an solu anu wanu solu tib a solu tib et dans le DSA comme on l'appelle le devoir de s'asseoir il y a ce qu'on appelle j'ajoute la communication négative. Elle consiste tout simplement à faire quoi? C'est quand dans le couple, vous passez tout votre temps à parler de tout et de rien qui ne concerne pas le couple. Il y a certains qui sont très forts pour ça. Tous les jours, vous avez à vous raconter pendant des heures des choses, mais vous parlez des autres, de tout ce qui se passe dehors. C'est-à-dire, tu arrives, tu dis à ton mari, « Ah, Marseille, Baboussiet, côté côté corbeau. » Tu parles tout, tu dis tout, tu fais le compte-rendu de ce qui s'est passé dehors. Et à son tour aussi, il va te dire ce qui s'est passé au travail, mais il vous ne parle jamais de ce qui se passe dans la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle la fuite des responsabilités dans la communication. L'aîné, bagué en quoi les mots, communication est d'accord. Ou bien, on est d'accord. Fangibi bonji ba legui lo waam batelu faalul fangi lo waangi ju mu teeng fa bu ko wota teeng ji hasse bala watelu faalul wo legui mu sigi lo da mu hubu mu jaxut li haa wene ne mi bonu atemi takkan men wala fa jamu datu siet bu ko fa jabi mu datema siet ano la has aliumu non la bagtu hubu mu mu ma le lo fol bu nu mana ba bu nu bolam be non mi nayeli ak convaincre ay non mi ngui ko baj bu bo mo amen.